Aujourd'hui, je vais me cacher dans une pièce secrète pendant 48 heures. Il y a quelques jours, la famille Ventura ont publié une vidéo dans laquelle ils ont construit une pièce secrète dans leur maison. Alors mon but dans cette vidéo sera de m'infiltrer dans leur maison et me cacher dans leur pièce secrète sans qu'ils le sachent. Évidemment, puisque la famille Ventura sont mes amis depuis plusieurs années, j'ai la permission d'entrer n'importe quand dans leur maison. Alors c'est juste une blague que je leur fais. Alors l'étape numéro 1, s'infiltrer dans leur maison. Le seul problème, c'est qu'ils sont actuellement dans leur maison et ils ont des caméras de surveillance partout autour de leur maison. J'ai mon complice juste ici qui va se faire passer pour un livreur Amazon et qui va donc me livrer chez la famille Ventura. Je vous rappelle que j'ai la permission de faire ça, d'accord? Hey man, j'ai la permission de venir ici quand que je veux. Eh oui, William, t'as la permission de venir quand tu veux, n'importe quand. Parfait! Pour vrai, abonnez-vous. Que ça va, Will? Ouais, ça va super bien! Parfait. Oh. J'ai ici des ciseaux que je vais utiliser pour m'échapper de la boîte. Non, je suis en mauvais. Les enfants, avez-vous pris les ciseaux? Non. Hein? Chérie, tu es ouvert la boîte. Les enfants, avez-vous ouvert la boîte? Je suis actuellement avec ma caméra principale. J'ai trouvé la pièce. Alors supposément que dans cette pièce, il y a une pièce secrète. C'est où? C'est là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Oh! Oh oui! Oh! J'ai trouvé! Oh wow! Oh mais c'est trop cool! Je suis dans la pièce secrète. Eh mais c'est trop stylé! Regardez, il y a même des bonbons. Alors ça veut dire que le 48 heures commence maintenant. Il est actuellement 10h16 du matin et ils n'ont aucune idée que je suis dans leur maison. La seule chose qui m'inquiète, c'est la boîte. Ils vont trouver ça vraiment étrange de recevoir une boîte vide. Je vais aller voir ce qu'ils disent. Chut. Ok. On va aller les espionner. Ouais, c'est sûr que Ezekiel, vous avez pas touché à la boîte à l'entrée? Ils n'ont vraiment aucune idée que je suis dans leur maison. Alors je vais commencer à m'installer confortablement ici. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un sleeping bag pour cette nuit. Ok. Et en vrai, je vais être si bien ici. Ouais, je vais m'installer juste ici. Et regardez, il y a même une télévision. Oh, j'ai trouvé la télécommande pour la télévision. J'espère qu'ils n'ont rien entendu. Je dois vraiment être plus discret. Allez, je vais fermer la télévision. Oh, regardez, il y a des photos. Eh, hey, mais Mouchi, je veux une photo. Je vais essayer de trouver la caméra. Oh, c'est ça. Allez, on va prendre une petite photo. Let's go. Eh, pour vrai, la photo est juste trop parfaite. Je vais l'accrocher juste ici. Voilà. Il est officiellement 13h30 et je viens d'entendre Priscilla dire qu'elle a préparé des biscuits au chocolat. Alors la mission va être d'aller voler des biscuits au chocolat, mais sans me faire griller. Je suis de retour dans la pièce secrète avec les biscuits. J'ai eu trop peur qu'ils me voient. On va goûter et voir s'ils sont bons.
Mmh. Oh, c'est délicieux. Mmh, c'est beaucoup trop bon. Oh, j'ai parlé un peu fort là. Je vais essayer de parler moins fort. Puisque c'est dimanche, je dois me méfier parce que les enfants ne sont pas à l'école. Alors à tout moment, ils peuvent décider de venir jouer dans leur pièce secrète. Alors je dois vraiment faire très attention pour ne pas faire de bruit. C'est vraiment un challenge assez difficile. Allez, les enfants! Ah! On va prendre une marche dehors! Oui! Viens, viens! Allez, là, viens, on va aller dehors! Je viens tout juste d'entendre Eman dire aux enfants qu'ils vont aller prendre une marche dehors. Ça va être le moment parfait pour aller voir la chambre de Ezekiel. Ok. Ah, je vais attendre qu'ils sortent dehors. Les enfants, attendez-moi! Je n'entends plus aucun bruit. Alors je pense qu'ils sont dehors. Oh oui. Alors ils sont en train de jouer dehors. C'est le moment parfait pour aller voir la chambre à Ez. Ok. Je suis littéralement dans la chambre à Ez. Regardez. Alors, ils sont juste là-bas. Bye bye. Waouh. Miam. Oh, pour vrai, c'est trop bon. Oh, regardez ça. Je dois vraiment être plus discret. J'ai failli me faire griller. Chut. Je dois vraiment faire attention pour faire moins de bruit. Je pense que Priscilla est partie en bas. Alors je suis seul ici. Regardez. C'est le contre-bloc de Ez. Je viens d'avoir une idée de génie. Je vais faire une blague à Ez. Je vais changer son personnage Roblox et je vais lui mettre des vêtements de fille. Allez, je vais faire ça. Je vais juste fermer la porte pour être sûr. Ok, voilà. Allez, on est tranquille maintenant. On va aller dans les vêtements. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regardez ce que j'ai trouvé. Ah oui, je vais mettre ça. Bon, allez, je me sens un peu mal. Ça coûte 85 Robux. Mais bon, je m'en fous. Achetez. Allez, oui. Ne vous inquiétez pas, d'accord? À la fin de cette vidéo, je vais redonner des Robux à Ez pour qu'il me pardonne. Je vais lui acheter ça aussi. Alors, je vais lui prendre ses cheveux-là, regardez. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction. Je vous montre le résultat final. Regardez, attention. Soyez prêts. Oh, mais c'est parfait. Ok, bon, allez, je vais laisser son ordi pareil comme tout à l'heure. Pour vrai, c'est juste parfait. Je pense qu'il vient de rentrer. T'as quoi, déjà? Ça fait même pas 20 minutes. Non, mais qu'est-ce que je fais? Marianne, c'est toi qui as fait ça? Non! Ah, bah, c'est toi? Non, je sais même pas comment faire. C'était qui alors? Qui a fait ça? C'est toi? Non! Comment encore? Elle a aucune idée que c'est moi. Il y a quelqu'un qui a hacké ton ordi. La tout petite m'a vu. Ouais, j'en vois! En tout cas, on va essayer de prendre un antivirus, quelque chose qui va le protéger, qui est plus. J'étais caché dans la chambre à Ez, tout près de lui. Je ne devais pas bouger d'un seul millimètre, sinon il allait m'entendre et j'aurais échoué ce défi. Ça fait une heure que je suis caché ici. J'attends la bonne occasion pour m'enfuir. En effet, j'ai attendu encore une autre heure dans le placard. Ça faisait plus de deux heures que j'étais caché là sans pouvoir faire un seul mouvement. J'étais même sur le point d'abandonner quand soudain... Ça fait deux heures que je suis caché ici et là, Ez vient de partir dîner. Alors ça va être ma chance de m'enfuir. Ok, la pièce secrète. Ah oui. Il est actuellement 18h07 du soir. J'étais coincé dans la chambre de Ez pendant littéralement plus de deux heures. Oh my god, j'en pouvais plus. Et en plus, je ne pouvais pas faire un seul mouvement, sinon il allait m'entendre et me voir et j'allais échouer ce défi. Alors par chance que j'ai réussi à m'échapper, honnêtement. Sa réaction lorsqu'il a vu son personnage Roblox déguisé en fille. Ah, c'était trop drôle! En descendant les marches, j'ai aperçu des boîtes de pizza Salvatore. À savoir que je n'ai rien mangé depuis ce matin, alors j'ai très très faim. Alors, vous vous en doutez sûrement. Maintenant, ma prochaine mission sera d'aller prendre une boîte de pizza Salvatore sans qu'il me voie. Je sais pas comment je vais faire. Allez, vous assurez là-bas, je vais la porter. Je vais la pizza? Oui! On va acheter la pizza? Oui! Tiens, on va aller là-bas. Allez, maman.
Allez, voici la bonne pizza. Tada! La pizza Salvatore. Ah oui. Ça fait du bien une bonne pizza. Après avoir été caché dans cette cachette secrète à espionner la famille Ventura depuis ce matin. On les entend. Pendant que je mangeais ma pizza tranquille dans la pièce secrète, la famille Ventura commençait vraiment à se poser de sérieuses questions. Il est actuellement 19h du soir. Ça fait maintenant 9h que je suis caché dans leur maison, dans cette pièce secrète. Et la famille Ventura suspecte déjà qu'il se passe des choses bizarres dans leur maison. Alors je dois être vraiment plus discret si je veux réussir ce défi. Pour le reste de la soirée, j'ai décidé de rester caché dans la pièce secrète et d'espérer que les enfants n'allaient pas venir jouer dans leur pièce secrète. Il est actuellement 21h55 et là, j'ai décidé de me coucher dans mon sleeping. J'ai une petite lumière avec moi juste ici. Je n'entends plus aucun bruit dans la maison. Bon, je suppose que tout le monde est parti dormir dans la maison. Bref, première journée réussie. On se retrouve demain pour la deuxième journée. Bonne nuit à tous. Bonjour à tous, je viens de me réveiller. Il est actuellement 8h47 du matin. Ah, j'ai très mal dormi, je suis vraiment fatigué. Alors aujourd'hui, on est lundi, ce qui veut dire que les enfants sont actuellement à l'école. Alors il y a beaucoup moins de risques de me faire découvrir. Je vais ranger mon sleeping. Voilà, super. Pour le petit déjeuner, regardez ici, dans la pièce secrète, il y a des céréales. Je prends ça. Voilà, c'est très très bon. Pour vrai, je peux pas croire que la famille Ventura ne sait pas que je suis ici. J'ai vraiment hâte de voir leur réaction lorsque je vais leur dire que j'étais dans leur maison pendant 48 heures. Je viens de finir de prendre le petit-déj. Et là, il y a un petit problème. C'est que je dois aller aux toilettes. Et je pense que la famille Ventura est juste en haut. Alors, je sais pas comment je vais faire. Et je dois y aller. Pour vrai, je dois vraiment y aller. Ok, j'ai réussi. C'était beaucoup trop chaud. Ok, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite après. Là maintenant, le but sera de redescendre. Est-ce que tu as vu la charge de téléphone? Les enfants veulent toujours mes prises de téléphone. Ah, l'iPad est ici! Ah! Comment je vais faire pour descendre? Oh my god, c'était beaucoup trop chaud. J'ai failli me faire griller. Genre, j'étais sûr qu'ils allaient me voir. Oh là 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 là. Pour vrai, c'est la vidéo la plus folle que j'ai fait. Alors, je veux 40 000 likes sur cette vidéo. Voilà, c'est dit, c'est fait. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, un toutou géant. Oh oui, c'est parfait ça. Ah oui, je vais pouvoir dormir dessus. Je vais l'amener dans la pièce secrète. Eh, c'est lourd. Ah, regardez-moi ça. Il est géant. J'ai alors décidé de faire une petite sieste de 2 heures quand tout à coup, j'ai été réveillé par quelqu'un qui était tout près de la pièce secrète. Non, ils sont là. Yo, Emma, avec la petite. Ça, c'est bleu. J'espère qu'ils vont pas venir ici. Médecin, Marina veut pas qu'on aille dans cette pièce secrète quand elle est pas là. On va attendre qu'elle revienne de l'école, ok? Bonne soirée, déjà c'est... Bravo ma belle, on ferme les portes? La petite m'a vu. Par chance que Emma n'est pas venue dans la pièce secrète. Oh, c'est très très chaud.
Chihuahua? Je pense qu'Eman et la petite sont retournés en haut parce que je ne les entends plus. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. La petite a ouvert les portes juste ici de la pièce secrète. Par chance qu'elle est incapable de parler parce que sinon, eh ben, elle l'aurait dit à Eman et le défi aurait échoué. Ok, je viens tout juste de recevoir un message de la famille Ventura. Alors, c'est Eman qui m'a envoyé un message. Il m'a écrit « Will, as-tu vu notre dernière vidéo YouTube? » Ouais. Non, je l'ai pas vu, je sais pas de quoi tu parles. Par la suite, il m'a écrit « Il faut vraiment que tu viennes voir ça à la maison. Tu vas halluciner. » Imaginez s'il savait que j'étais actuellement dans la pièce secrète depuis bientôt 48 heures. Il est actuellement 15h29. Et là, j'ai vraiment faim parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin. Bah, j'ai trouvé qu'est-ce que je pourrais manger. Comme vous savez, j'adore les bonbons. Et ici, il y a plein de bonbons. Oh oui. Miam. C'est délicieux. Honnêtement, les bonbons, c'est la vie. Bon, on se retrouve environ 30 minutes plus tard. Je viens d'entendre les enfants revenir de l'école. Ça veut dire que Ez et Mariana sont maintenant de retour à la maison. Oh non, c'est Mariana. Oh non, c'est Mariana. Elle vient de dire qu'elle va aller dans la pièce secrète avec Ez. Ok, je vais vraiment me cacher. Je vais me cacher tout de suite. J'arrive. Je vais me cacher dans cet ourson. Vite. Alors normalement, je vais être bien caché comme ça. Regarde, let's go! Ah! Il y a une pile. Il y a un sac. Il y a un plus Pourquoi il y a une autre photo? Pourquoi il y a une nouvelle photo? Je sais qu'il y a Will, mais il est où Will? Papa, Will est ici! Will est ici! Je l'ai dit! Will est ici? Regarde, la pizza, la photo! Il y a des sacs! Regarde, c'est la pizza d'hier! Attends, chérie! Est-ce que Willy Bell est venu ici? Il y a une photo de Willy Bell dans la pièce secrète! Et la pizza d'hier! On cherchait la boîte de pizza! Les enfants ont trouvé plein d'affaires à Will dans la pièce secrète! Ici, un sac de couchage, un sac à dos, la pizza d'hier! Tu le montres à maman la photo! Regarde, c'est nos deux photos! Les enfants, hein? Will, il est dans la pièce secrète. Hein? C'est quoi ça? C'est sa caméra. Ouais, c'est à lui. Will? Oh my god, non, je rêve. Will, t'es où? On sait que c'est une blague, on sait que t'es ici. Oh, les enfants, je sais quoi. Ah, oh, il y a déjà fait ça. Will? Will, on sait que c'est toi. Non! J'en suis ici. C'est ça, non. Oui, c'est moi. Puis c'est moi qui ai changé ton skin sur Roblox. Vous saviez pas, j'étais ici. Non, oh my god. Hey, je me trouve tellement idiot de pas m'être rendu compte de rien. Oh my god. C'est qu'on va se venger, c'est ça. Attends, quoi? Oh oui, on se venge. Ah oui. Mesdames oui, et messieurs, oui. Je vous le dis, nous allons nous venger très bientôt. Oh, il mérite quelque chose. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Peace.